Pangameni là. Pangameni pour Oh, boîte. Pongo, Ngana. 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 Gamin, gamin, Axel, Gandemoka, Asimandouva. Tomayou. Que Gundamaka, c'est ça la question? Gandia, Gandia. Gandja, Gandja Maka, T'appelles là, Yuina. T'appelles Gamin, l'autre s'appelle Gamin, n'est-ce pas? Oui. Je demande si vous êtes des jumelles. Ah, oh. Non, on se connaît même pas. Mademoiselle. Nguna le. Hey. Nkale mo nguna. Nguna u. Che yikwi si banela. Ya mo mo ushu. Ok. Ama nguna. Nguna. Menguna. Nguna. Ah. Si si. C'est quoi ce proverbe là? Ouais, mambok. J'ai. Zini. De là. Ouais, un bel homme vos féminis. De là, c'est un bel homme vos féminis. Un bel homme, Axel. Quel bel homme vos féminis. Un bel homme, vos mangeurs. Vos mangeurs. D'ailleurs, mon job, Chani, au ciel. Oh, merci. Mais c'est Simon Jouet. J'ai été super voyé. On m'a intéressé, il m'a assis le fan à mon juge. Oh, tu es super voyé. Ceci. Nous comme Jouet. Comme Jouet, mais tu m'as gagné, nous, on m'a intéressé, il m'a assis le fan. Bon, Chani, on t'est. Oh, Gantez, es-tu nous là? Oh, on t'est. Yoli, Enzo Tome là. Enzo Tope. Pepe. 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 O. O. I. 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 Relisons maintenant pas à pas. Ce n'est pas un si, mais c'est un si. Quelqu'un dit toujours on si. Moi, vous mangez à tchè ou on dit. Non, c'est pas un si, c'est un si. On si. On si. Maintenant, c'est l'autre si qui est un peu plus élevé. On si pi. On si pi. On si pi. Lisez maintenant. On si pi. Wa. Wa. Wa.
Onsipi. Qu'est-ce que ça veut dire? Onsi binke. Tu restes avec qui? Tu restes avec qui? Tu restes avec qui? Onsipi. Tu habites avec qui? Hela yamba fusimye. Chungwe yamba yo pote. Ceux qui ne remettent pas leur devoir n'ont pas droit au cours. Et s'ils sont dans le cours, ils peuvent juste mettre muet sur leur microphone pendant tout le cours. Bolomba il faut tout ça c'est les mots. Gachu tunchi, la négation c'est. Voilà, donc on a déjà vu comment on dit non, il n'a pas fait quelque chose. Maintenant, il y a une autre forme. C'était la forme avec le présent. Ganchu mentunchi. Là, on devait répondre quoi? Nga. Ganchu si tunchi si mentunchiba. Ganchu si mentunchiba. D'accord. Il faut revenir à la page derrière, d'avant. Est-ce que c'était même ça? Voilà. Nuko, sinon, grandche so nka so grandche jite se mieux. Dans la négation. C'est la grammaire. C'est ce que j'expliquais la dernière fois. Ah. Mais après, il y a une autre phrase où, quand c'est. Voilà la phrase qui suit. Ganche tout. Oui, là ça reste constant. C'est la grammaire. Pour le ton moyen. Le temps moyen, ça j'ai compris. Mais après, on a la dernière fois, c'est Ngantche Nyo. Nyo, c'est. On a Jinta. Shuta, c'est comme ce mbu. Ça fait Ngantche Nyo. C'est une bonne question. Oyo. Angeyu. 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 Donc, il était question ici de lire, traduire en français ou en anglais, puis mettre à la forme négative. Première question. Mouvo mounja t'il? Première question. Mounja, sans ka. Et ici, c'est mounja. Mounja. Il faut voir tous les tons. Mounja. Sans ka. Sans ka. C'est pas une question. Mounja, sans ka. Mon jeune son ka. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon jeune a lavé les assiettes. Et la négation? Mon jeune n'a pas lavé les assiettes. Me voilà. Mon jeune console kaba. Il faut mettre le coup de gloire, mamie, là où il y a. Mon jeune console kaba. Mon jeune console kaba. Ndendeba, c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai? Moujoka son kaba? Ben non, j'ai lavé les assiettes. Mondemoka? Nga. Mondemoka son ka. Yimo me tremble, mais j'ai lavé les assiettes. Moko femeni. C'est si. Chero chimbipu. Punk. Chero. Gopeno. O chipim branjinter.
Punkunchut, qu'est-ce que ça veut dire? Les enfants sont trop têtus. La négation. Nga. Punkunchut. Ici, on va dire si. Oui, parce que c'est. On va dire si. Inchut, me vont bien le. Oh, pardon. Encore, bien, merci. Oh, let me wait. Nous quoi, on aime Sintu. Punkunchut. Ah, parce que c'est le présent. Oui, c'est un présent répétitif. Disons, quand on met seulement Punkunchut, c'est une vérité générale. D'accord? Ok. Oui. Donc, Punkunchut, la négation, c'est Punkunchut. Donc, c'est une tube. Et le si change. Oui, et le si change. L'autre si, je n'aurais même pas dû vous donner ça parce que je vous ai pas encore enseigné ce temps-ci. Nous l'ont mis, la négation. Nous l'ont mis. Nous. Nous. Pas nous. Nous. Maintenant, c'est ça. Moi, j'ai mis Jinteta, oui. Oui. J'ai mis nous. Jinteta, ce n'est pas nous, c'est nous. Ta, nous. Nous. Ka. Ka. Lomi. Lomi. B. Oui, le B est facultatif, bien sûr. Est facultatif. Donc, nous, Lomi, la négation, c'est quoi? Nous, Lomi. Vous voyez que le nous a repris son vrai ton. Oui, là, j'ai. Et Ngomzun, ça veut dire quoi? En fait, je suis en train de manger le couscous. Je mange le couscous. Oui, c'est mieux de dire je suis en train pour qu'on voit vraiment le en train là. Oui, la négation, c'est quoi? Nga. Ne dis pas le nga. Je veux seulement la négation. Nga. Non, c'est un sime. Un sime. Ça. Bon. Nga peno. Un sime. Ça va. Nga peno. Mbam bien le moment chambre la même que la même chose. Tu as commencé par le nom. Oui, je voulais que tu reprennes pour que je t'aide. Quand je pose la question, c'est que je veux t'aider sur quelque chose. D'accord. Gassimezabe. Oui. Ça, c'est la forme. La première forme, ngesim, d'accord. Mais beaucoup de grammairiens n'aiment pas cette forme-là. Ils préfèrent remplacer ng par un. Okay. Oui. Donc, ngesim, sab, voilà la forme normale. Pas normale, mais la forme première. Oui. Oui. Maintenant, le ng est remplacé par un. Un simenzon sabre, c'est la forme contractée. Pelem, un simenzon sabre. Un simenzon sabre. Tu vois, koufambia. On a souri à manger ça. Non, j'essaie de prononcer les sons. Même le tchakou là, je sens que ça change. Tchakou. Tu vois, koufambia. La négation, c'est quoi? Tchakou, koufambia. Il faut dire que pas tu vois que femme bien que le coup de gauche maintenant ce n'est plus tu vois que c'est tu vois que son vrai nom, d'accord, tu vois que j'inte et je suis coup tu vois que
c'est la partie là du pour nous. C'est là où moi je n'ai pas su. Quelle partie? Le temps. Là, parce que là, en fait, à chaque fois, il y a un petit changement. Par exemple, le « nous » tout à l'heure a changé, ce n'est plus le même. Et là aussi, le « toi » oui, pour qui... c'est pour ça que je ne veux pas insister sur le changement de ton maintenant, mais retenez le « kab ». Et maintenant, ça, le « fat » devient quoi? « Fat » à « kab ». Pourquoi ça change? C'est allégé, c'est ça. Un ton plus grave, un ton plus moins grave. Hein? Bon, remarque. Pourquoi on change ici, là? C'est compliqué, hein? Non. J'ai l'impression qu'on passe d'un ton... Quand on est dans l'affirmatif, on a un ton qui est un peu plus grave. Et quand on est dans la négation, le ton devient un peu plus léger, j'ai l'impression. Oui. Si on... Non, ça ne s'applique pas à tout. Non, non, regarde. Revenons ici. D'accord. On avait vu que si la forme affirmative de Nganchu son cas... Son ka, c'est quoi? C'est Nganchu son ka, non? Son ka. Le son là est devenu akoso. D'accord? Le verbe même, normalement, c'est le verbe so. Le verbe nso, so. Si on voulait s'arrêter ici, si on voulait dire Nganchu à laver, on devait dire quoi? Nganchu sonka. Ah, je dis seulement Nganchu à laver, je ne veux pas éliminer l'assiette. Nganchu so. Nganchu so. Nganchu so. Maintenant, on continue so parce que la phrase continue comme je vous avais expliqué. Nganchu sonka. Maintenant, la négation c'est Nganchu so. Le sembe devient pu, n'est-ce pas? Et ici là, tout est resté lui-même parce que c'est on appelle ça les verbes stables. Nous avons deux grands groupes de verbes, les verbes à ton haut et les verbes à ton moyen. Je ne veux pas vous encombrer avec la grammaire pour le moment, mais retenez pour le moment seulement le k et le b à la fin. Je ne vais pas trop vous porter rigueur par rapport à ces tons de changement, parce que je sais que c'est dans un cours supérieur à votre classe. Bon, ici, par exemple, c'était Munja Sonka. Maintenant, à la négation, le ton de Munja, c'est le vrai ton de Munja qui va venir. Ça sera Munja Sonka. Munja. Jintata. Ici, là, ça sera un chou. Munja. Munja. Son cab. D'accord. Bon, jusqu'ici. Ah, c'est ça. Maintenant, nous, l'omi. Quel est le nom même de nous? C'est nous, non? Avec le ton moyen. Ici, on a dit nous parce qu'on continuait la phrase. Ici, dans la négation, on garde son ton même. Nuka, lomi. Le lom a gardé son ton, non? Oui, c'est ça. Parce qu'il est moyen. Comme tout que vous aviez vu ailleurs. Voilà. Maintenant, Ngumanga. Hein? Je dis Ouza aussi, qui n'a pas changé non plus. Très bien. Ici, n'est-ce pas? Ça. Ici, menzon sab. Et ici, là, quand il y a le me, on retient aussi que c'est plutôt si et non que, n'est-ce pas? Oui. Chua ku fa. Fa. Oui, c'est ici que tu demandais pourquoi ça n'a pas gardé son ton moyen. Pourquoi ça n'a pas mon ton? Oui, c'est ça. Voilà. Il y a une autre notion. Je ne vais pas entrer là-dedans, mais il y a une autre notion. Ici, c'est... Regarde, tu as coup. Ici, quand tu as le ou, ça fait élever le ton de fa. Normalement, ça devait être fa. Mais avec le ton montant de ou, ça aussi fait monter le fa. D'accord.
en fait, c'est le nom qui a décliné. Oui, c'est à cause du nom, voilà. C'est à cause du ou aussi. Alors que ici, là, c'était quoi? C'était où? C'était le temps de. C'était où? Donc, si faut que je revienne encore un peu dans ce cours de grammaire, peut-être ça peut vous aider. Les pronoms personnels, vous connaissez le nom ge? O? O? A? 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 O? O? Non, c'est pour justement, c'est pas pour. Ce n'est que le dernier si qui est seul, n'est-ce pas? Comment on dit j'aime manger? Avec le fa, pas avec le ze. Le fa. Le fa. C'est la même chose partout. Fa, 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 avec le ton haut. Mais le dernier, c'est quoi? Ça sera un ton moyen. Ce n'est que le dernier si qui est particulier. Le reste, c'est tout. Fa, fa, fa. En dehors de lui, parce que le ton haut a fait que lui, il devient flat. Pofa. Pofa. Et non, pofa. Si c'était avec le ton haut, ça devait être peu, pofa. Donc, c'est plutôt pofa. Un pour adoucir. Oui, pour adoucir, c'est ça. Donc, regarde, quand je dis chouakou, je reviens à chouakou, n'est-ce pas? Chouakou, c'est un ton montant, n'est-ce pas? Oui. C'est le même ton montant que A. Donc, quand tu vois le A, ça va faire monter fa. Chouakou, fa. 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 Oui, chouakou, fa. Fa. Oui. Maintenant, chouakou, tu descends. Chouakou, fa. Mais maintenant, regardez pour Ngantche ici. Je reviens là pour vous montrer. Ngantche, c'était le ton haut. Ce n'était pas un ton montant que ou. Ce n'est pas Ngantche. Tu vois un peu? C'était Ngantche. Donc, ça fait peu tard, Ngantche tout. Mais si j'avais remplacé Ngantche par Chouakou, je devais dire quoi? Chouakou. 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 Et ça devait montrer que tout. Tout. Oui. Que la souris a puisé de l'eau. Ça devait être Chouakou touché. Donc, ce sont des éléments de grammaire. Je vais vous épargner de ça pour le moment, mais. Sachez qu'il y a des règles bien fixes, quoi. Ce n'est pas du hasard. Ça ressemble, ça me fait penser au cours de musique, en fait. C'est la musique. Notre langue, c'est de la musique. D'accord. Oui, c'est la musicalité. C'est pour adoucir tout. Nous qui n'avons pas fait cours de musique, on va faire comment? Tu vas pour écoute ça. Mais sérieux, on meurt en route. Franchement, si tu écoutes beaucoup les musiques de type soul R&B, tu vas ressentir en fait ce truc-là, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, quand tu montes, c'est soit ta voix se casse, soit tu es obligé de l'adoucir d'une façon ou d'une autre. Et ce sont des notions de grammaire. Généralement, les gens qui parlent ne remarquent même pas et ne peuvent même pas vous expliquer comme je vous donne les détails là parce que ils n'ont pas étudié la langue. C'est oui. Oui, le livre de grammaire que vous avez là, quand je vous dis que c'est un trésor, j'insiste là-dessus. Vous allez voir de ces notions détaillées. C'est quand même pas facile. Oui, rien n'est facile quand on n'apprend pas, non? Donc, non, des fois, je lis le livre là, je suis obligé de fermer, de revenir encore après, un autre jour. Pour comprendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu crois fort, quoi? Non, je croyais que c'était facile. Je croyais que c'était le lait. C'est pour un bi. Chouakou Fambia, allez-y. Chouakou Fambia. Chouakou. Et la négation. Fambia. Chouakou Fambia. Fambia. Nkem Fangofa.
Kim. Même Kim. La négation, c'est quoi? Que si mon fango fa. Que si mon fango fa. Ok. Non, c'est que le ton. Ok. Ok. Ok si mon fango fa. Ok si mon fango fa. Me vonda maman, j'ai un chumbois. Me vonda maman, j'ai un chumbois. Oui, traduisez de la négation. Me vonda maman. Ta grand-mère. Hein, ta. Effacé. Et en train de se fâcher contre moi. C'est ma, c'est pas ta. Je dis là. Je me dis là. Ok, c'est la grand-mère. Ma. Ma. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Si c'était seulement la grand-mère, ça devait être mandam. Il ne devait pas avoir le veau là. Me vondam, manjantumboa. La négation, c'est quoi? Me vondam, si manjantumboa. Le bois est obligé ici. Obligatoire. Oui, c'est obligatoire. On ne dit pas si manjantumboa. Alors qu'avec le corps, on peut le laisser. Ngambia ya chumboa. Ngambia ya chumboa. Ngambia ya chumboa. Ngambia ke. Ngambia ka ya chumboa. Ngambia ya chumboa. Mboa. Ça fâché contre moi. Ngambia ke ya chumboa. D'accord. Allons-y. Gomme, je suis plus haut. Ça veut dire quoi? Je ris avec toi. C'est taquine. Je rigole avec toi. C'est taquine. Et la négation. Mais c'est mon jeu plus haut. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque, une particule finale. Mais j'ai appris au bas. Ici, au bas. Ici, c'est obligé, maman. C'est le bel achat. Dès qu'il y a le me, retenez seulement quand ça sonne comme am. Hein? Vous dites que assim, je suis plus au bas. C'est pour ça que je préfère même que même quand c'est le cas, mettez le bas pour ne pas oublier. Hein? Dites-nous que l'omib, mettez ça pour ne pas être vraiment. À l'abri de tout souci. D'accord? Ok. Comme un jeu plus haut, la négation. Au lieu de ngosim, c'est mieux de dire quoi? Ngosim, je plus haut. Ngokalembui. Ngokalembui. Au lieu de ngokala. Ngokalembui. On met le. Oui, quand c'est la première personne, on enlève le ngom, mais c'est maintenant. Il y a le coup de gorge. Ngokalembui. Mba Pierre, voyame là. Mais je ne t'écoute pas intervenir. Il faut intervenir. Tout le monde est en train d'intervenir. Je n'écoute pas vos voix. D'accord? D'accord. Assez. Tu dis assez. Assez. On est où là? Nge rundu, ça veut dire quoi? Non, pardon, pas rundu. Nous avons la voiture. Mais aujourd'hui, vous doutez encore de vos compétences? Nous avons la voiture. Ah, mais moi, je laissais. C'est parce que mes doigts sont en bas, justement, pas peinturés. Ah, ok. Pas rundu, la négation, c'est quoi? Voilà, et le port devient quoi? Port.
D'accord. Donc, ça devient port. Ce n'est pas port, mais puisque je vous ai dit. Oui. Père. Père-t-il? Je crois que c'est Pekaji sur l'arbre, n'est-ce pas? Non. C'est mais ça ne sonne pas bien. Il y a un truc qui ne va pas. Non, si j'avais dit pêche ici, là, on aurait dit. Voilà. Oui. J'attendais que vous dites ok, il y a le me là. Omenzen shipim. Assez. Bon, Pierre, oui. Chez Ibi. Don't worry, we know it's not you. I don't worry, it's Mouvia. Mouvia. Non, ça monte. Mouvia. Il n'y a pas le coup de gote. Mouvia. Mouvia. Est-ce qu'il est là? What, me or Amor? You. Mba Pierre. Mva. Lock. Mvue Nita block. What does that mean? Mvue Nita block. Do you understand? No. Après quoi ça? Le chien a chié. Le chien a chié. Dans la chaise. C'est si ça ne se dit pas en français. Le chien a chié dans la chaise. Hein? En français, c'est sûr, c'est pas dedans. Mais oui, c'est ça. Donc, on aurait dit Dimvio, Nin Domla. Non, Tam, c'est sûr. Mais c'est là, voilà, yo. Ne dis pas le français, le pas. Oui, non, mais. Il faut quand même faire quelque chose. Ah, je ne laisse pas coloniser. Yon. Bon, allez-y, traduisez négation. Tamlo. Et on va écrire avec quel ton? Son vrai ton. Vrai ton 3. Et ni? Ni aussi, c'est ton 2. Pour Langembi. Gambia. Mentam. Mentam. Yes, ma'am. Mentam. 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 Mbonku. 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 Qu'est-ce que ça veut dire? Mon aîné joue au football. Joue au football. Le péno, l'année question. Est en train de jouer au football. Gambia. Gambia.
Simon. Simon. Tap. Tap. Bon coube. Bon coube. Bon coube. Bon coube. Aha. Où's the pie? Glemme. Un autre cuit. Où's the copy? Copy. Où's the copy? Où's the copy? Copy. J'ai comme un coup. Où's the copy? Teacher, si, si. Ah, mon vous. Si, si. Go, tata, si, nous. Ok. Pour de. Pour. 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 Fange la nafla, si me la. Ok. Fange. Okay. Fange, c'est traduit. Fange. Fange na flansi. Fange me flansi. Okay. Fange me flansi. Ok. Ok. Yamahole. Face à. Non. Ok. Me fang ou fangke la. Yamahole. Anke me fang ou fa. Ah. Aide la traduit. C'est. Ok. Me fang ou fa. C'est le singe. En train de manger le maïs. Ok. Mais le nkela, il est conjugué. Il fallait bien réfléchir que. Non, il n'est pas conjugué. Il est décliné. Uh-huh. Comment ça, conjugué? Parce que ça, c'est le verbe. Moi, je n'ai pas trouvé. Hein? Hein? Uh-huh. Non, c'est je veux que. Ça, ne dis pas conjugué. On conjugue pas. Uh-huh. En oui. Fait, la grammaire s'applique dessus. La grammaire s'applique là. Donc, c'est plutôt nké qu'il fallait chercher. Mm-hmm. Ok, comment? Jinteta. Oh, ok. C'est ça. Oui. Okay. Il y a donc, des notions ça, grammaticales qui vont beaucoup vous aider. Sinon... J'ai transpiré ici. Hein. Moi-même, j'ai transpiré, mais je ne comprenais pas. Ah, ok. Go you check, parce que moi, j'avais vu qu'il est interdit. Moi-même, j'avais vu interdit. Après, il dit que mais on ne peut pas dire interdit, manger le maïs. C'est rien. Ah, c'est... ok. On peut se dire interdit de manger le maïs quelque part après. Et, non, bah non. C'était le sujet, donc ça devait être un nom et non un verbe. Okay. C'est ça. Goyou, tchengo, peno. Un tchassou. Et retenez même une fois pour toutes que quand on veut évoluer avec la phrase, le ton moyen, il devient haut. Et le ton bas, il devient montant. Si je dis Chouakou, Chouakou, si je devais dire avec Chouakou, vous voyez que Chouakou finit avec un ton bas, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et si je veux continuer la phrase avec Chouakou, je vais dire quoi? Chouakou. Ah ah! Gopeno. Maintenant, Ké, c'est un ton moyen. Si je veux continuer avec lui, je dis quoi? Ké. Gopeno. Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est très capital. Bangola. Regardez. Quand j'ai tout à l'heure, l'autre jour, on avait écrit Nganche, non? C'est un ton quoi qui finit? Un ton moyen. Maintenant, si je veux dire Nganche a fait quelque chose, je veux dire quoi? Ça devient quoi? Nganche. Ça devient Nganche. 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 Très bien. Ganchuso. 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 Très bien. Ça veut dire quoi, Ganchuso? Elle est venue. Ganchu est venu. Ganchu est venu. Maintenant, si je dis. Comme ici, Chouakou. Akuso. Chouakou, regardez, il finit avec quel ton? Le ton 1. Maintenant, si je veux continuer la phrase, je vais dire quoi? Chouakou. Très bien. Chouakou, ça. Ok. C'est très capital de remarquer ça parce que si vous voyez écrit Chouakou, ça, n'allez pas dans le dictionnaire chercher Chouakou. C'est à vous de savoir que, ok, c'est plutôt le nom, c'est Chouakou. Mais ça c'est. Maintenant, regardez pour dire la nourriture, on dit quoi? Ouze. Maintenant, regardez la dernière phrase du haut là.
Ouzapi. Donc, n'allez pas dans le dictionnaire chercher ouza. Vous cherchez quoi? Ouza. Parce qu'on sait que le moyen devient ton haut. Okay. Et le ton bas devient ton montant. Donc, pour voir si vous avez compris. Essayez, s'il te plaît, juste la dernière phrase. Le ton bas devient ton haut. Non, le ton bas devient ton montant. Le ton haut n'est pas le ton d'accord. Montant. Ok, le ton bas devient ton montant. Et l'autre phrase, c'était? Le ton moyen devient haut. Ok, d'accord. Nous, c'est le serpent, n'est-ce pas? Ah. Dites un peu, le serpent m'a mordu. Nous, l'homme. Et c'est quel ton alors? Nous, l'homme. Ton. Mais quel ton? Le montant. C'est le... Ne confondez pas montant et haut, hein? Ton haut, deux. Le ton haut, c'est celui-ci. Alors que ça, là, c'est le ton montant. Ne confondez pas les deux. OK. Oui. Le ou, on appelle ou le ton montant. Mm-hmm. Alors que ou, c'est le ton haut. Donc, on dirait dans nous. Nous. Hein, l'oma. Pardon. L'oma. D'accord. Mm-hmm. Maintenant, nous. Nous veut dire quoi? Le non. Je n'ai pas dit nous. Nous. C'est les problèmes, nous. 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 Maintenant, dites un peu, je suis dans les problèmes. Nous. Vous voyez que ce nous-là, il devient maintenant quoi? Montant. Mm-hmm. Il devient nous. Bien que même si on arrête le cours aujourd'hui et que vous avez compris ça, c'est capital pour la suite. Donc, bon, Tiamna, le montant devient moyen et le moyen devient montant. Le moyen devient haut. Oui. Alors que le bas devient montant. Ton 1, ton 7. Donc, c'est ton 1, ton 7. Ton 7. Ton 3, ton 2. Oui. C'est ça. Il y a un dernier exemple. Cou, c'est quoi? Cou, c'est le pied. Le pied oui. De l'enfant, c'est quoi? Le pied de la quoi? Hein? De l'enfant. Ça monte cou. Mou. Donc, on ne va plus dire que cou mou. C'est pas cou mou. Mais koumou. Bon. Maintenant, Nji, c'est quoi? Nji, habit. L'habit. Dites un peu l'habit de l'enfant. Njimou. Njimou. Est-ce que c'est Njimou ou c'est Njimou? Njimou. Pourquoi? Parce que c'est le temps moyen. C'est le temps bien. Donc maintenant, je vous exhorte à rentrer encore dans les anciens cours. Vous allez mieux comprendre cette notion. Vous allez comprendre que ici, c'était quand je disais ganchu, c'est parce que dans l'affirmation, c'est ganchu. Mm-hmm. D'accord? Ganchu. Oui, et merci à celui qui m'a arrêté là à ce niveau parce que je n'espérais pas vous montrer ça. Je croyais que c'est mieux de le montrer un peu plus tard, mais c'est bien, ça va vous aider. Ah oui, parce que. Lisons quand même ce cours que j'avais préparé. 2, 3, 2, 1. Me vaut Nguna Munja Pimba 32. Mba 32, si hein? Mba 32, si hein? You are going to read with Nguna Munja. Nguna Munja is your mom. Okay. And you are Chokontia. Nguna Munja, tu es là? Chokucha.
À Chocontia. 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 Ah, c'est pas un coup. Chocontia. Chocontia. Ah, c'est pas un coup. C'est co. Chocontia. Chocontia. Mmh, ah, tu dis mmh. Monte un peu plus ici parce que c'est peu. Voilà, je m'arrête encore ici. Quel est le nom? Le nom isolé. Numbi. C'est Numbisie avec le ton moyen. Oui. Donc, je veux que chaque fois maintenant, vous cherchez à remarquer la grammaire même. C'est Numbisie. Mais parce qu'on a continué la phrase, on a dit que le moyen devient O. Vous comprenez tous? Numbisie. Non, c'est pas O. C'est A. Non, c'est pas A. Ça, c'est pas A. Asimuba. Ozima. Oui, et le ZH ne se dit pas Z, ça se dit je. Oji. Ozima. Où ça monte? Où sien. Seni. Le. Où Batu. Batu. Au lieu de Batu, de maintenant, un gars, un charmant, un bien le lard, un gambi. Rukam. C'est pas toi la main. Maintenant, au lieu de me voir manger, comme quand même me voir gamini. Quel gamini? Il y a une seule pour le moment. Ah, c'est pas un cam. Pelosia chokon kam maha am duani amni. Non, c'est pas me, c'est me. Amni. Et ça, c'est monte. Amni. Fab, ok. Là, je comprends ce que ça veut dire. Amni. Amandjani. Amandjani. La maison du. Djani. Ok, je comprends. Ok. Nga ko yima ha. Je peine au chant de ko, c'est y'a peur. Nga ko yima. Je peine. Amandjani. Dieu so. Oui, c'est vrai que c'est écrit so. Oui, j'apporte encore une remarque. C'est écrit so, comme tu as dit, comme tu as lu, mais le OH se lit O. Amen Dieu so. Ok. Amen Dieu so. Amen so ne. Oui, amen so ni. Amen so ni. Nai. Nai. Ni, la liaison. Amen so ni. Amazon. Mandama. Manda, c'est pas un de. Manda.
Mandamo maha. Oui, ne tirez pas trop. Dites c'est maha, maha. Maha. Amen, Dieu mou. Amen, Dieu mou. Amen, Dieu. Amen, Dieu. Amen, Dieu. Mbou, qu'en. Mbou. Mbou. Mais c'est pas mbou, c'est mbou. Mbou. Ok. Ok. Yesi. Mbou, ok, yesi. Mbou, ok, yesi. Baye maha. Relis ah. Encore. Ba ye. C'est pas ye, ye. Ba ye maha. Adieu mou. C'est pas mou. Adieu mou. Adieu mou. Dieu mou. Anne Kunke. Anne Kunke, Fab. Via Maha. Au conseil, peur. Au calme, on veut. On l'aime, on veut. C'est tout la grammaire dont on parlait. Donc, dans le dictionnaire, quand vous voyez un V, vous cherchez quoi? V. Un V. Un V. Un V, ma. Amen, Jam Dieu. Hey, tu vois, ma, au grand. Ah, Jam Dieu. La chambre est venue dans le truc et puis c'est... il est dans la chambre. Ok. Ad. Maha. Chambre. Ah. Shundur. 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 Me. 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 Tu. Me. Et ça, ça monte. Me. Tu. Me. Tu. Me. Tu. Tu. Ah. Shundur. Me. Tu. Ah, je me tue. Je me tue. Gatché. J'ai acheté encore go aujourd'hui, ma. Oui, gé, voilà. C'est pas gé. Gatché. Un coué. Pou. Coué. 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 Pou. Non, coué. Pou. Kwepu. Ma. Po. Sa. Sa. Le ton. Sa. Za. Ouza. Ouza yapi. Ah ah. Tu as bien vu le ton. Peu ta. Ouza yapi. Ah, me vaut. Me vaut. Me vaut un me vaut un gueuillou. C'est mieux de dire un gueuillou. Élève un peu ça. Pas un gueuillou. Un gueuillou. Un gueuillou. Un gueuillou. Nouilla. Ah, c'est pas nous. C'est pas nous ici. Nous. Ah. Nous. Ça, c'est quoi? Nous. 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 Parce que tu dis nous, c'est comme c'était haut. C'est nous. Nous, y'a te. Non, non. Te. Te. Nge. Kwe. Kwe. O. Kwe o. On fait ça. Fait kwe o. Kwe o. Relis. Amevo. Amevo. Nge yo. Nge yo. Nge yo. Nous. Ya. Nous ya. Nouya te. Gun kweo. Nouya te. Gun kweo. Nouya te. Gun kweo. Il n'y a pas te. C'est te. 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 Nouya te. Gun kweo. Nouya te. Gun kweo. Ne mets pas le te. Il n'y a pas le coup de glotte. Nouya te. Gun kweo. Nouya te. Gun kweo. Ah ah. Me vaut feu meni. Ah, c'est si. Me vaut nga meni accélcier. Olemache. Ah, comme tu as si, maman, tu es là.
Me vous gamme ni Axel, et puis me vous ferme ni péché. Woman. Maman. Tu connais. Non, ici là c'est ça descend et ça monte. Me vaut. Oh mon. Ge me. Tam je. Monte un peu plus ici. Tam. Ge me. Tam je. Nubisie mon. Oui, tu as un peu lu avec le coup de gueule si c'est Nombissier. Nombissier. Ah, ma duel. Oui, ici, duel. Là, c'est Ndue. Parce que ça, c'est U-E. Ça fait U-E. Ndue. Ah, ma duel. Non, ça, c'est le. Ok, ah, ma duel. Ndue, le. Ah, ma duel. C'est la musique, vraiment. Ndue, le. Dieu le. Amen Dieu le. Amen Dieu le. As. C'est pas A. Ah. Assi. Non, c'est pas si. C'est si. Assi. Assimou. Assimou. Assimou bon. Ah, comment mon gros? Assimou. Assimou. Asimba. Asimba. On jima. Ah, c'est très bien. Ici, là, on fait, au lieu de ma, on fait la liaison. C'est comme le E disparaissait, ça devient ojima. Ojima, me. Ouseni. Le ou? C'est le. Non, le ou. Le ou? Le ou? Le ou? Mba. Tu connais cam. Ah, me. Dieu ni. Ah, me ni. Gako. Me vaut bien le pimba piewe, petilo. Ama de dumu.
Ndiomu. Manje. Unke. Le mambu unke. Unke yes. Mambu unke yes. Unke yes. Ba yema ha. Et puis aussi quand tu vois la virgule, arrête-toi un peu, mets une pause. Andiomu. Anankunke. Vas-y. Andiomu. Andiomu. Anankunke. Vraiment. Élève le ton avec m. M. Articule. Rentien que plus m. Poussa. Zouza. Fais ton chien. Ok. Rentien pour. Pardon, excusez-moi. Non, excusez-moi, je n'ai même pas. J'ai dit ça en même temps. Pardon, excusez-moi. Rentien que pour. Non, m- pas que. Nkwe. Ouza yapi. Est-ce que vous comprenez le texte? Traduisons rapidement. Je compte, hein? Non, j'ai eu le message, je disais, je fais nous. Chocontia. Ça veut dire chocontia. Traduisez rapide. Lisez et traduisez. Chocontia. Mmovo. Oui, maman. On dit mmovo. Mmovo. C'est pas mmovo. Je dis bien mmovo. 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 What does that mean? Oui, maman. Oui, maman. Yes, mother. Oh, maman. Tu es où? Tu es où? Gomme Tom Dieu. Ah, c'est pas un Tom Dieu. Tam Dieu. Et puis, dans la chambre. Et puis, il faut ressortir du coup avec quelque chose et aller appliquer à la maison. Ne laissez pas ça dans les livres. Attends, je me bats, vous pouvez essayer, c'est moi. Gomme, tamdje, ça veut dire? Tamdje, je suis dedans. Dans la chambre, oui. Ntam, ça veut dire à l'intérieur. Ndio, c'est la maison. Mm-hmm. Et à l'intérieur de la maison, littéralement, c'est pour dire la chambre. Maintenant, on peut aussi dire to ndio. Je crois que c'était to ndio qui était plutôt la chambre. Les deux sont des synonymes. D'accord. Non, mais c'est
Mbissier est où? Mbissier est où? Ah mon Dieu, le. Il est à la cuisine. Dieu le. Pourquoi on appelle ça cuisine? Dans Dieu le, il y a quoi et quoi? Le, il y a un Dieu et il y a le Dieu pour la pièce et le. Pour l'endroit en cuisine. Le, pour la cuisine. D'accord. Mais mon Dieu le. Dieu le. Asimuba, ça veut dire quoi? Il n'y est pas. Et si on devait mettre ça à la forme affirmative, on devait dire quoi? Amu. Amu. Non. Amu. Amu. Vous enlevez seulement la négation, non? Simba, sib. D'accord. Alors, Ojimam Ouseni, allez-y. Ojimam Ouseni. Ça veut dire quoi? Ouseni. Tu sais qu'il est allé chez son ami. Donc, l'expression Ojim, il faut remarquer tout ça. Sache donc Ojim, parce que là, à Simuba, là maintenant, Ojim, ça sont des expressions qui vous permettent de continuer un dialogue. Ojim, dans ce cas, sache que. Voilà. Ça me paraît plus logique de mettre dans ce cas que de dire directement sache que. Oui, c'est ça. Dans ce cas, sache que. Ojima Mouseni, allez-y. Ojima Mouseni. Le Umba Chu. Toi, tu dis toujours Mba, 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 Mba. Ah, c'est E. Le Umba Chu. Le Umba Chu, ça veut dire quoi? C'est la personne qui fait la tresse. Mba Chu, ça veut dire la personne qui fait les tresses. Mba, ça veut dire naté, tu sais. Et Chu, c'est la tête. Donc, quand on dit Mba, ça veut dire tisser. Ngoma Mba Pu, je tisse le sac. Ngoma Mba Chu, je tisse la tête. Je natte. Et le lo, ça veut dire ou bien. D'accord? Et le ou veut dire quoi? C'est pour le pronom personnel du Mba, non? C'est le sujet du. Non, ou veut dire chez, chez, chez. D'accord. Oui. Si je veux dire chez moi, je dis quoi? Ouah. 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 Si je veux dire viens chez moi, je dis quoi? Sawa. Sawa. Le ou veut dire chez. Donc, Wumba Chu, ça veut dire chez le coiffeur, chez la coiffeuse. Ok. Continuez. Lui, il est où? Je veux aussi que vous remarquiez le yi là. On n'a pas dit ngako me. Ngako yi me. Ça veut dire ngako. Il est où? Donc dit ngako yi me. Ngako yi me. Bon, si je veux dire et toi, où es-tu? Woyo. Ah, voilà, je peux dire woyo oma. Ou bien je peux dire oyo ma. Oyo. Donc je remplace ngako par o. Oyo. Oyo. Oma, c'est où es-tu? Mais quand j'ajoute le yo là, oyo ma. Et toi, où es-tu? D'accord? Ce sont des éléments, des petites particules qui passent inaperçues. Pourtant, ça a de la valeur. Allez-y. La douche. Dans Dieu sort, il y a quoi et quoi? Dieu et la pièce.
Et ça, on se lave. Après, on se lave. Sors, laver, sors. Petite question aussi ici. Parce que le Dieu, si on se base sur cette approche-là, est-ce qu'on peut aussi confondre avec la pièce où on lave les vêtements? Je vous dis comment on appelle ça en français. Oui, la buanderie, la laverie. C'est ça, la buanderie. Tu sais, dans les maisons, parfois, tu as une pièce où on lave les habits et on les repasse, la buanderie, c'est ça. Oui, il y a des ambiguïtés partout, non, même dans la vie. Là, c'est avec le contexte qu'on va trouver, du coup. Puisque on continue, Amesoni, d'accord. À moins qu'il soit là à buanderie se laver, bon. Oui, d'accord. Donc, le fait que le complément, pardon, ne sera plus le i, mais ça sera par exemple une j, là, on saura qu'en fait, c'est la buanderie. C'est ça, Amesonji. Évoluer rapidement. Madame Amara. Madame. Ça veut dire quoi? C'est la grand-mère. La grand-mère. Il n'y a pas de possession, voilà. Oui, il n'y a pas de possession. Grand-mère. Grand-mère. Mais on cherche tout le monde. Passer du bon la pièce temps. De loisir, quoi. La pièce de loisir, exactement. Moi, je savais que c'était le salon, mais à cause de la télé. J'ai triché. À cause de le salon, à cause de la télé, à cause du bon. Ok. Voilà. Voilà aussi quand même des éléments. donc, tu connaissais quand même le cahier ici. Oui. Ok. Ça veut dire que votre vocabulaire, ça évolue. C'est très bien. Amendium. Allez-y. Amendium. Ce petit texte-ci est très puissant parce que ça vous donne beaucoup de détails sur beaucoup de choses. Non seulement les pièces de la maison, mais comment les membres de la famille, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Les négations, les ceci, cela. Donc, quand vous voyez n'importe quel de nos textes, décomposez ça. Un texte peut normalement faire un objet même de trois chapitres de grammaire et même de vocabulaire. Donc, on doit aussi décomposer. Ne passez pas sur nos textes à la volée comme ça. Amendiomu. Là, maintenant, on vous montre comment on appelle le salon. Dites Ndiomu. Ndiomu. Et si on vous demande de décomposer, il faut être capable. Ndiomu. Et mou. Si je dis ça, ça yo pour mou, ça veut dire quoi? Le mou là, c'est le verbe d'où vient mou. Ça y est, pour nous, ça veut dire viens, passe du bon temps. Ça y est, pour nous, allez-y. Ça y est, pour nous. Et parfois, il y a ce mot-là aussi dans mou. Dites mou. Mou, c'est le deuil. Mou, ça veut dire. Il n'y a pas le bon temps dans le deuil. Les veillées. Moua, c'est le bien. L'âme du bon temps, le sens où c'est l'endroit où tu te réconfortes, même dans le deuil. C'est ça. Donc, vous passez du bon temps la nuit, la veille là. C'est ça qu'on appelle mou. Donc, passer du temps à causer, à chatter, à causer, à bavader. C'est ça qu'on appelle mou. D'accord? Donc, dites Ndiomu. Ndiomu. Donc, retenez au moins que ça, c'est le salon. Ça veut dire quoi? Elle regarde la télé.
Continuez. Faites attention, Mbaye Maha, où est votre père? Mbaye, c'est ton père. Oui, Mbaye, c'est ton père. Allons-y. Les tons. Quand vous ne cimentez pas les tons là, ça ne donne pas du plaisir à mon nom. Un veut dire quoi? Téléphone. Vous pouvez décomposer. Tous nos mots sont la plupart. Un cru, c'est la corde. Mais dans ce contexte, c'est le média. Le média. Média, c'est quoi? De communication. C'est l'information. C'est aussi l'appel, non? Je crois, j'ai cru personnellement. C'est aussi quoi? L'appel, quelque chose comme ça. L'appel. Oui. Quand tu reçois un appel téléphonique. Ah, appeler, c'est un tché. J'ai vu une quelle. Non. Au téléphone. Une l'information. Donc, évoluons. On a encore Un jam, c'est quoi? Vous voyez, il y a quoi et quoi? Vous connaissez tout Njam, n'est-ce pas? Oui. Njam, c'est quoi? Njam. Derrière. On avait vu l'Njam sinon d'un coup. Contrée de Mbi. Elle n'était pas là. Je ne pense pas que j'étais là. Ah, ok. Elle n'était pas là, Cécile. Njam, ça veut dire derrière. On était en train de voir à côté, derrière, devant, à gauche, à droite, tout ça. Ah oui, quand on faisait le code de la route. Oui, même le code. Non, même le code de la route. D'accord. Ok. Njam veut dire derrière, anyway. Njam, Dieu. Ok. Ça veut dire la cour arrière de la maison. Ok. Gopena. Ça veut dire. L'enfant est où? Chunde veut dire quoi? C'est pas dans la cour. C'est ça. C'est dans la cour. Parce qu'il faut décomposer pour voir. C'est pas la véranda ou je sais pas quoi. C'est la véranda. Oui. Ou bien la cour, même la cour avant. Mais la véranda proprement dite, c'est Mbondio. Pour dire à côté de la maison, ou bien Grandio, Mbondio. Mais la Njaushundio, c'est la cour qui est devant même là. On appelle ça quoi, le pavis? Oui, ou la devanture. La devanture, là, voilà. C'est ça, Njaushundio. Non, pas Njaushundio. Non, c'est Njaushundio, comme la bouche. Njaushundio. Ça veut dire la bouche de la maison. Oui, Njaushundio. L'entrée, oui. Okay. Et Mentio, c'est quoi? C'est jouer. Jouer. Donc, Njaushundio, Mentio, ça veut dire quoi? Il est en train de jouer. Et tu es là? Un tien. C'est pas un quoi?
Un kwe pu, ça veut dire quoi? Va appeler tout le monde. Va appeler tout le monde. Tout, c'est quoi? Un kwe. Maposa, ça veut dire quoi? Maposa. Qui vient? Et puis? Zaouza. C'est pas un Zaouza. Manger la nourriture. Ouza yapi. La nourriture va finir. Non, la nourriture est prête. Ce n'est pas pi. La nourriture est déjà cuite. Allez, c'est ouza yapi. La nourriture est cuite. Ouza yapi. Ce n'est pas pi. Comme un gombo, il faut foutre un chien. Yapi. Ouza yapi. Ouza yapi. Ouza yapi. Yapi. Utilisez ça chez vous. Si vous laissez dans le livre, vous n'allez jamais retenir ça. Même si vous êtes seul à la maison, parlez à vous-même. Parlez à vous-même. Ouza yapi. On est devenu fou. Ouza yapi. C'est pas mauvais. Oui, maman. J'ai compris. Nouya. Bon, nouyate, ça veut dire quoi? C'est pour cela que nouyate. C'est pour cela que. Tout le monde dit nouyate. Nouyate. Donc, ce sont des expressions très bien aussi à utiliser. Nouyate, ngankweo. Allez-y. Donc, quand quelqu'un vous donne... C'est pour cela que quoi? C'est pour cela que je t'aime. Oui, Ngun Kwe. Ah, ok. Ah oui, Ngun comme Kwe. Oui. Nous attendons Ngun Kwe. Donc, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous êtes content, vous pouvez lui dire... Nous y attendons Ngun Kwe. Il faut dire ça à maman, Okay. Il faut pratiquer tout ce qu'on fait là, sérieux. Il faut appliquer ça sur quelqu'un. Sinon, ça va être un travail inutile. C'est ça. Exactement. Donc, maintenant, je pose les questions et vous répondez rapidement. Lisez et vous répondez aux questions. Chocontia. Regardez bien, Chocontia. Chocontia, Mondial. Ne dis pas Ngana, dis c'est Manga. Nga. Réponds tout la question. Réponds. On vient de voir la négation. Je veux que vous formiez les phrases. Lisez. Quels sont les partisans du 1? Ah bon?
Mais... Me vaut mon genre en... C'est qui à droite? Quelle est à la cuisine, à la... dans la chambre? Moi, je réponds pas à la négation. Parce que nous, on se disait que, c'était, que l'exercice consistait à formuler nous-mêmes nos phrases et à répondre. Je l'ai dit. Non, c'était par rapport au texte aussi. On peut mettre le « mot » ou pas, c'est facultatif. Il dit qu'il est dedans. Il est dans ma chambre. Ah, c'est pas « Dieu. Ça, c'est « Dieu. Tu comptes « Dieu. Le mot est facultatif. Quels sont les partisans de un et l'enga? Voilà des pièges. Quand vous partez passer le tour, feront vous piéger aussi comme ça. Je vais aussi vous piéger bien. Ici, on a dit Numbisiem. Tu comptes, tu as dit quoi? Maintenant, la mère a répondu quoi? Donc, si vous ne connaissez pas ce que ça veut dire Asimuba, là, vous échouez. Donc, ça, c'est un mot-clé que vous devez retenir. Asimub. Asimub. Maintenant, elle continue. Elle dit quoi? Ojima Mouseni. Ojima Mouseni. Seni, pas Seni. 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 Loumbachu. Loumbachu. Eh bien, parle. Nubisiamaha. Hein? C'est comme ça que vous répondez. Amouseni, Loumbachu, allez-y. Amouseni, Loumbachu. Si on veut dire je ne sais pas, elle est peut-être. Ah, Mbenche, Nkoji. Tu peux dire Nkoji. Mbenche, Amouseni, Loumbachu, c'est très bien. Mbenche. Benche, c'est peut-être. Benche. Kajiza, je ne sais pas moi. On avait dit avec Kajiza. Allez-y. Ok. Assis. Affirmation. Point d'exclamation. Affirmation. Quelle est l'affirmation de cette phrase? Asimuba, allez-y. Asimuba. Forme affirmative. Am, ça veut dire quoi? Elle est là. Elle est là-bas. Papa, si vous savez, elle est là. C'est assis.
Oui. Maintenant, si je veux préciser qu'elle est là-bas, je veux dire âme. Âme. Elle y est, c'est ça. Oui, elle s'y trouve. Mm-hmm. Elle s'y trouve, voilà. Je vous laisse le soin de relire ça après. Vous allez comprendre. Là, c'est le TOEFL que vous passez là. Il faut comprendre bien. Bah, en fait, on a une petite discussion là. Je dis que la salle de bain est derrière la maison. Es-tu que la salle de bain est derrière la maison? Je ne comprends pas. Oui, c'est ça en fait la question. Du moins, là, le débat qu'on a, c'est que si on considère que le Njoso, donc la salle d'eau, si on considère qu'elle est derrière la maison, dans ce cas, dire que Ngako est derrière, ça devient... C'est vous qui considérez là où il y a la salle de bain. Je sais que quoi. Mais... Ça, c'est on a dit que Jamja, c'est la cour. Votre salle de bain, c'est le seau d'eau dans la cour. Non, il y a des salles de bain derrière. Ça dépend. Il y a des maisons conçues comme ça. Ça reste une pièce, non. Si tu dis que c'est dans la cour extérieure, pour moi, c'est comme si c'est juste le trou avec juste le seau que tu poses et tu te laves comme dans la cour. Au village, le plus souvent, c'est derrière la salle de bain. Mais si on n'est pas au village... Non, je les comprends. Mais restez dans le contexte du texte. On nous excuse. Nous, on est pauvres. On est au village, donc... Non. Allons-y. Pour l'année. Okay. Il y a comme... Pourquoi? Pourquoi ici, quand Chokuncho a écrit Ame, Jorso, il y avait le O et... c'est un O1, alors qu'ici, Ngakoum Njoso, c'est avec un O montant. Parce que c'est une question. Parce que c'est une question. C'est le truc de tout à l'heure. Parce que c'est une question, on avait déjà vu ça, Maï. Maï, va dans les cours d'avant, on avait vu que pour poser la question, quand il y a le H, quand il y a une consonne à la fin, on ne peut plus mettre la voyelle qui monte. Donc, on fait changer la voyelle au milieu avant le dernier. Et bon, on demandait là où il y a Ngako. Ngako, revoyez rapidement pour répondre. Ça, c'était la réponse. Mais c'était déjà là, celle-ci. Hein? C'était déjà là. À côté. Ah, ok, désolé. La dernière ligne, en fait. La dernière ligne. Penrang, de la foi. Le poids. On a dépassé là. Le dossier de 5. Oui, finissons rapidement. C'est qu'on a pris assez du temps pour la grammaire là, mais c'était nécessaire. Ngako, mon Dieu, sort. Ah, je fais ça, non, on vient de faire. Oh. Ngako Mungu. Ngako Mungu. Ngako Mungu. Numbiche Mouseni. Pukoji. 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 C'est Tu dis Nkoji Zabo. Très bonne question. Si c'est le tout, vous aurez tout facile. Hein? Ça, c'est bien. Donc, rapidement, où es-tu?
c'est quoi? Oh, maman. Ah, lisez d'abord en français, vous traduisez. Oh, pardon, je suis à la cuisine. À la cuisine. Oui, on peut seulement dire Gundiole. Gundiole. Ou bien Gundiole. Rapidement. Il est dans la chambre. Il est dans la chambre. Atamdja. Amadamdja. Où est Kamgwe? Kamgwe. Traduisez seulement ici, c'est traduit. N'oubliez pas l'objectif du chapitre, c'est mahan mahan. Donc, à la fin du chapitre, si quelqu'un ne sait pas demander où est quelqu'un, c'est qu'il a un problème. Mahan, 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 mahan. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, c'est pour ça qu'on est en train de marquer ça. Allez-y. Elle n'est pas là-bas. C'est pas mou. C'est M. Asim. Asimba. 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 Dans ce cas, sache Ojim. Ojim. Les temps. Ojim. Ojim. Lisez ce qu'il y a dans la parenthèse. Yab. 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 Yabufa. Oui, ça c'est la forme de langue. Yabufa. Ojima. Yabufa. Yabufa. Ojima. Elle est chez son ami. Elle est chez son ami. Amouseni. 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 On peut aussi enlever le m. Amouseni. Amouseni. Oui, ça, ça là ne devrait pas être avec ce ton. C'est comme ça là. C'est plutôt A. C'est avec le A. Voilà. Bon. Oui, et tout ça. Interpellez-moi quand vous trouvez qu'il y a des problèmes. Ne croyez pas que. Oui, le monde est Mais du c'est... coup, elle n'est pas là-bas. On aurait aussi dû mettre A7. On a mis le A. A1. Elle n'est pas là-bas. Parce qu'il y a ça partout. Oui, hein, le A6. Ça, c'est la négation. Ça, c'est la négation. Avec la négation, c'est le tomba, c'est correct. Ah oui, d'accord, ok. Même chose qu'on avait tout à l'heure. Amouseni. Amouseni. Ou bien, ou alors, c'est quoi? Ou bien, ou alors. Là où. Là. Là où. C'est non, c'est seulement là. Là. Je vous ai dit que le « ou », ça veut dire « chez ». Oui. Donc, pour dire « ou bien, ou alors, là ». D'accord. Amouseni, là. Prends le rouge ou le noir. Je ne sais pas comment dire rouge. Rouge, vous connaissez. Les papas. Les papas. Les papas. Et le noir. Yes. Mais il y a beaucoup de vidéos sur ça, non? Les papas. Oh, me les sissi. Homme. Vous savez tout ça. Le belle. Le yahé. Homme. Le belle. Le ciel. Le yahé. Homme. Le belle. Répondez alors. Le boche. Homme. Le papa. Allez, vous nous apprendre celui-là. Non, on ne connaît pas. Papa. Prends le rouge. Le. Les papa. La y papa. La papa. La y papa. Le. Les sisi. Oh, ici, si. On peut dire oh bien le qu'on vient de voir. La y papa. La y. La y papa. Le. Le ici, si. Très bien. C'est aussi une particule très puissante. La y papa. Le ici, si. L'œil. Comment on dit chez? Où? Quand le temps monte. Où? Comment on dit chez nous? Ou pas? Ou pas? Vous avez oublié les pronoms? Oh, déjà, c'est que.
Ok, demain, c'est après, Nana. Comment on dit chez moi? C'est à l'heure, on ne réfléchit plus. Chez moi. Oui, le woum, c'est dans d'autres langues bamileke. Woum. Woum. Ici, en fait, on dit woua. Woua. Non, on dit quoi? Wumba achu. Pamba. Wumba achu. Wumba achu. Les toilettes. Où on fait les selles. Ndiani. 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 Fait les selles. Meni. 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 Le verbe même c'est quoi? Ni. 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 Ça monte. Ni, ce n'est pas ni. 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 Ameni. Oui. Ici, il y a un troisième ni. Elle fait les selles. Ameni. Ameni. Njasso. 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 Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est parce que si on prend le... En France, hein, juste pour faire la distinction... Quand on écrit les pour faire la distinction avec quoi? On dit la salle d'eau. En France, tu as la salle d'eau, tu as les toilettes. Donc, quand tu vas quelque part et que c'est marqué toilette, c'est là où c'est plutôt une journée. C'est pas une journée. Oui, mais là, c'est trop... Enfin, voilà. C'est pour ça qu'il a précisé les toilettes où on se lave. Bref. On a compris que c'est la salle d'eau. L'emploi aux toilettes. La salle d'eau. Elle regarde la télévision. Un bouquin. Très bien. Ceux qui dorment déjà là, ça c'est un point de grammaire important. Réveillez-vous. Où est mon père? C'est quoi? Où est ton père? Faites la liaison. Ne dites pas les mbao. Dites comme mbo. Faites comme si le a si n'existait pas. Et vous faites comme si le o est venu. Ça fait mbo. Où est ton père? C'est quoi? Mbé. Très bien. Et où est son père? Mbam. Très bien. Mbam. Mbam. Voilà. Donc, on écrit Mba'a, mais on lit Mba'a. Tout ça, ça fait partie des réformes que Yui, qu'on va faire. Donc, c'est Mba'am. Mbam. Oui. Maintenant, où est notre père? Mbayam. Donc vous connaissez déjà Yo. Je croyais que je vous enseigne alors que vous m'enseignez. C'est bien. Non. Super. Mba yom. Et pourquoi j'ouvre alors grand vos oreilles? C'est bien. Mba yom. Mais vous êtes fort, hein? Mba yom. Mba. Où est le père? Bayom. Le père nom Bacheni. Bayom, mais le ton ne donne pas. C'est pas ya. Bayom. Bayom. Allez-y, dites Mbo. Mbo. Mbe. Mbe. Bayom. Mbaye. 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 Pourquoi je suis en train de changer le ton? Parce que je ne continue pas la phrase. Mm-hmm. Voilà.
Donc, voilà comment. Voilà. Il faut retenir ça parce que je vais vous dire où est son père demain. Ne réfléchissez pas. Où est son père? Vous allez dire quoi? Où est mon père? Où est notre père? Voici l'exercice. Il faut y aller. C'est très facile. Donc, normalement, en 10 minutes, vous pouvez finir ça. Laisse-moi 10 minutes. Vous allez traduire et lire les expressions traduites en fait quoi. D'accord? D'accord. Ok. Donc, on va traduire combien? Oh, c'est si.